Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre. Bon, eh bien, lundi, on a reçu la même notification, donc celui de la fameuse mise à jour. Bon, ok, finalement, pour l'avenir de Mario Kart Tour, eh bien, après le 4, après la saison qui va débuter, après la saison des batailles, qui va débuter le 4 octobre prochain, ben, le 4 octobre qui s'en vient. Eh bien, là, il n'y aura plus de nouveaux circuits, ni de kart, aile ou pilote. Puis, ils vont ressortir des saisons ultérieures. Lesquelles, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont refaire les saisons depuis le début. Je sais pas, peut-être qu'ils vont peut-être sortir, je sais pas, les circuits de la première année, après ça, de la deuxième, de la troisième, quatrième, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui va arriver. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce est la fin du jeu, mais la fin du contenu, ben, se termine après le 4 octobre. Bon, effectuez 5 déports turbo. Faites mouche 5 fois avec une carapace rouge. Décrochez 2 fois de suite la première place en catégorie sans cesser ou supérieure. Obtenez un objet de la sélection du jour dans la boutique. Planez sur une distance totale de 2000 mètres ou plus avec un pilote moustachu. Obtenez un score total d'au moins 5000 sur 3 courses A ou SIA. Planez sur une distance totale de 5000 mètres. Puis ici, c'était obtenir un score total d'au moins 15 000 dans la coupe Pouchy. Envoyer des pièces de l'amitié à un ami. C'est ça le défi des saisons 2 pour le contenu de cette semaine. Bon, nous allons savoir mon résultat. En fait, mon résultat n'a pas vraiment changé depuis dimanche après-midi. Donc, c'est resté le même. On finit par premier pour une troisième fois de suite dans la Ligue 99. Voici le Quad Wiggler avec Toad Stand jaune et un tuyau d'or. Ah oui, et puis étant donné que genre que c'est la fin du contenu. Ben, je vais dépenser de moins en moins loin d'un défi premium. Parce que je trouve que, étant donné que là, il y aura plus de nouveaux contenus, ben, à quoi ça sert d'aller dépenser tout son argent dans la boutique pour avoir des rubis, pour aller chercher d'autres items. On peut prendre le temps qu'il faut maintenant. Pour aller chercher ce qu'on a besoin. Pour faire les meilleurs scores que possible dans les classements hebdomadaires. Et pour un futur top 100, peut-être top 10, mais je ne penserais pas que ça va arriver pour moi. Ah, bon, ok, mais finalement, ben, le joueur en deuxième place, le joueur qui était en troisième place a dépassé la deuxième. Donc voici mon résultat en moins. Les deux sont dans la ligue 80, la ligue plus élevée 99. Bon, dans mes amis, qu'est-ce que ça donne? Je sais que Dragon 155 a fait un gros score. Bon, c'est ça ici. Donc voilà. Avec le chevrolet gris. Ah, ça me surprend qu'il ait pris ce kart-là. Puis seulement, il prend des plus gros cartes que ça. Donc, c'est ça. 52 000 avec. Un amant d'échelle au niveau 8 à 1192 points de base, c'est très bon. Et le mix avec Vanille 2, ben, il y avait le Mi-Père Noël qui a obtenu ce nouveau circuit. Presque 70 000 points avec tous des niveaux 8, c'est super bon. Et pareil pour 3DS, Monde Glacé, Damoney SI. Moi, je pouvais tenir jusqu'à environ 65 avec le Flora Piranha et puis avec mes autres options.
8 ont fait au-dessus de 100 000. Attends, mes amis, ouais. Le plus bas est à 53. Ok. Donc là, j'obtiens 5 rubis de plus vu que c'est ma cinquième victoire dans la Ligue 99. Avec justement les Moscou qui avaient BTZ, je crois, là, l'un de mes adversaires avait mis ça comme badge. Pour s'authentifier. Donc je commence cinquième pour commencer, quand même pas si mal que ça. Mais on verra pour la première place parce que, étant donné que genre que je puisse faire environ 135 avec les améliorations que je prévois faire, ce ne sera pas évident d'aider le premier. Mais être top 3, il pourrait être encore accessible. Le classement et les défis ont été mis à jour. Okay, bon, il y a le Luigi Pingouin à 30% de rabais et le Turbo Conemante. Qui est le nouveau cas de cette semaine pour la saison des sorbets 2023. Et ben voici les ballons bananes melon. Et puis ça, c'était la mise à jour qu'on a eu lundi. Juste faire un petit rappel là-dessus, ce sera pas bien ben long. Donc, dans le fond, merci pour votre intérêt pour Mario Kart Tour. Ceci est une méchante annonce concernant les sessions de l'avenir. Ok, voici dans l'ordre. On a la saison d'anniversaire, donc 4e anniversaire de Mario Kart Tour qui va se dérouler le 20 septembre. Le 4 octobre, ce sera saison des batailles. Et saison de l'Halloween au 18. Puis après ça, il dit que le contenu des saisons sera uniquement celui des saisons précédentes. Donc, toutes les saisons qui précèdent le 4e anniversaire, dans le fond. Donc, aucun nouveau circuit pilote KTN ne sera ajouté après le début de la saison des batailles. Bon, maintenant, nous allons. Ok. Oups. Allons voir ce qui se cache dans la boutique. Donc, Luigi Pingouin. Fleur de glace. A-t-il obtenu un nouveau circuit? Non, mais il y a le circuit Luigi Estia qui est l'un des circuits du classement hebdomadaire de cette semaine. La deuxième semaine de saison des sorbets. Et quand même obtenu la course à propreté ici, il y a deux saisons de ça. Le turbo Conemante maintenant. Ah, Mini Turbo Plus. Qui est une nouvelle carte, ok. Deck Vanille 1 SI, Pack des KSI, Cité Sorbet SIA. Remix Lac Vanille 2 et ça qui est l'un des circuits du classement hebdomadaire de cette semaine. Avec les circuits débloqués 6 comptes. Il débloque circuit Luigi et ça rendu au niveau 8. Qui est le premier circuit du classement hebdomadaire cette semaine. 7 circuits favoris pour commencer. Ici, nous avons ballon, banane, melon. Ah, éclair plus. Oh, justement, 4 circuits, c'est pas beaucoup, là. Pour cette aile-là. Apple DKSI, Pack DKSI, Pic DKSI, Cité sur SIA et Remix Avenir SIA. Donc, des variantes de SI ou de SIA. Ok. Puis en bas, nous avons des circuits originaux, puis une variante de SI à la fin. Lac Vanille 2 SIA. Wow, quel. Oh, aïe, ça y est, c'est tout un circuit, ça. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer, ça. Ici, le remix un SIA, là. Avec une montgolfière, mais là, ici, tout. Wow. Avec le Lac Vanille 2 SIA. Ok. Donc lui, il y a le remix Lac Vanille 2 et 7 dans le fond, il y a le deuxième circuit du classement hebdomadaire. Ok.
On a ça ici. Voilà. Donc aujourd'hui, en lumière, j'ai ça ici. Encore une fois, le bordeaux noir. Ça y est, je l'ai assez souvent dans ma boutique depuis une semaine. Pareil pour le blanc. Les deux sont là en même temps ou inversement. Un maillot golfeur aussi. Un toilette marin. Mais t'es plus de deux roses. Flèche verte. Trop de glace. Ça, cette aile-là est vraiment bonne pour les classements hebdomadaires. Il est vraiment très bon. Cette aile-là, moustache de glace. Vraiment, vraiment bon. Ah. Ouais, toutes des bonnes ailes ici. Ok. Voilà, 10 de 16. Ah, oui, oui, Luigi. Oui, Luigi est réapparu. Un bientôt niveau 40. Il m'a encore donné il m'a encore donné pour une deuxième semaine de suite deux ailes de capacité ultra rare. Mais là, à la place d'avoir un ticket de limite de points d'ailes rares, j'ai celui du pilote. Dans ma boutique de ligue. Ok. Donc, c'est tout ce qu'il y avait comme contenu pour cette semaine. Dans le sort des sorbires, ouais, pour cette deuxième semaine. Voilà. Ok. Bon, allons voir qu'est-ce qui se cache dans mon classement hebdomadaire. Bon, c'est ça. Ok, c'est pas si mal. Donc, encore, c'est encore accessible pour le roi Bobon. J'espère pouvoir l'obtenir cette semaine avec les améliorations que je prévois faire. Bon, maintenant, comme que vous voyez le roi Bobon ici, il n'a pas obtenu de nouveaux circuits. Mais n'empêche que quand même, il y a une bonne spécialité. La meilleure de tous. Il y a circuit Luigi SIA comme nouveau circuit. Moi, j'ai l'opportunité de pouvoir mettre Luigi Chevalier au niveau 8 pour débloquer le circuit. Hop, excusez-moi. Puis après ça, on pourra obtenir ça. Oh, on pourra obtenir ballon choco or. Ça a l'air bon, ça. Pièce plus. Ok. Dans le fond, c'est les ballons avec le choco puis en or. Ok. Lac Vanille 1A, Remix Lac Vanille 1A, Remix Lac Vanille 2 ici, et Cité Sorbet ici. Avec les circuits débloqués s'y comptent. Bon, aucun circuit qui est associé au classement hebdomadaire de cette saison. Ok, d'accord, c'est bon ça. C'est bon à savoir. À part Cité Sorbet ici, c'est peut-être le seul qui se trouve dans les classements hebdomadaires qu'on ne pourra pas utiliser. Il faut l'obtenir avant. 8 circuits favoris. Oh, c'est beaucoup ça pour commencer. Pour ça, il va être probablement payant cette aile-là. Ok, nice. Des tickets d'émis de points pilote, c'est super. En récompense. Donc, allons voir qu'est-ce qui se cache. Ok. Donc, niveau 7, 6, 7. Ah, lui aussi, il essaie d'amener son Wiggler or jusqu'au niveau 6. Moi, je l'ai amené jusqu'au niveau 7. À 1430 de points de buff, fait que j'ai un avantage sur lui. Sauf que pour les ballons orange, je l'ai seulement qu'au niveau 3. Et n'oubliez pas, je suis allé changer une aile pour l'amener jusqu'au niveau 6. Il manque juste un ticket de limite de. Il me manque juste une étiquette de capacité d'aide pour aller chercher pour l'amener au niveau 6. Puis c'est l'aile Contel. Puis on a cité ça aussi. Ok, il y a quand même un très bon pilote. Pour ça. Moi, j'ai mis chef. Ça fait que ça l'avantage beaucoup d'avoir ça. Ouais. Ah là là. Bon, ok.
Donc, moi de mon côté, donc étant donné que j'ai emmené Luigi Chevalier Or, jusqu'au niveau pour débloquer Luigi Circuit STA, ok, et eh bien, comme que je vous dis, au lieu d'avoir 33794 avec Mascash Ninja Rose, j'aurai 43398 avec lui au niveau 8. Si je rajoute à ça, si j'amène le comptel au niveau 5 à 400 points de bas, ça me donne 46 118. Puis si on continue plus loin, l'amener au niveau 6, à 595, c'est 48 671. Pourquoi, je sais pas pourquoi que je me suis mis jusqu'à 49 960. En tout cas, ça me dit, ben, je crois que c'est 49 000. Ah, c'est peut-être à cause du 715, peut-être, de points de base, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, vu que je n'ai pas assez, là, vu qu'étant donné que j'ai tout dépensé mes 10 km de points d'aile la saison dernière pour le planeur or. Et que là, vu qu'il m'en restait seulement qu'un, puis j'en ai obtenu 7. Dans les 4 mètres de ma dèche, ça m'a fait un total de 8, donc je peux juste aller mettre comptel qui va me servir pour un futur top 10 dans l'avenir. Jusqu'à 595 de points de base et au niveau 6. Il me manque juste un ticket de capacité d'aile ultra rare à aller chercher pour ça. Pour le remix à l'avenir 2, bon, étant donné que là j'ai le Wiggle H jusqu'au niveau 7 à 1000. Eh bien, c'est ça, à 1400. Ça, c'est le or, ok. Moi, je peux aller me chercher jusqu'à 44 666. Ok. Puis, pour citer Sorbet, dans le fond, l'amélioration, c'est le comptable au niveau 6 à 595 de points de base, 40 626. Je peux aller me chercher un total de 135 278 avec toutes ces améliorations-là, incluant le Wiggler que j'ai amélioré la semaine dernière. Ben, dans le fond, il y a là 2 jours de ça. Pour moi, ce serait ce qui serait le plus approprié pour moi parce que si j'y vais avec le remix Live Année 2 SIA, ben je m'avancerai pas plus. Ah, c'est pour ça aussi. Probablement que j'ai mis 49 966 si j'amènerais au niveau 6 l'aile. Ouais, si j'amènerais l'aile ballon orange jusqu'à 595 de points de base. C'est pour ça. Sauf que par exemple, au lieu d'avoir 48 766 avec. Ah oui, c'est vrai. Non, excusez-moi, pardon. J'aurais eu 48 766 avec. Avec celle-là sur le remix Alvenet de SIA pour le ballon Aurore. Mais c'est pas l'aile qui va m'avantager le plus, c'est justement j'ai besoin du comptel parce que j'ai seulement des ailes de niveau. Juste des options de niveau 1 pour le circuit Luigi SIA. Puis pour l'autre, j'avais seulement qu'au niveau 3. Puis j'avais le choix entre l'aile Manta à 3,5 ou à 3,5. 490 points de boss aussi, les cristaux de neige, qui sont quand même des très bonnes ailes aussi. Sauf que avec les options que j'avais et ce que et de l'outil, comment ça s'appelle déjà, l'outil pour Mario Kart Tour qu'on peut utiliser afin de savoir. Qui peut nous dire toutes nos options, puis qu'est-ce qu'on aura besoin pour. Qu'est-ce qu'on aura besoin d'améliorer pour faire un top 100, peut-être un top 10 un jour, puis ça, Tracos 155 il déjà travaille là-dessus. Moi, ce serait plus pour un futur top 100, top 10, je penserais pas. J'aimerais ça pouvoir atteindre un top 100 un jour pour.
Parce que pour moi, ça serait genre comme. J'en serais fier, moi, là. D'être parmi les 100 meilleurs scores au monde, dans le fond. Pour l'une des saisons de Mario Kart Tour. Donc, le deuxième, il y a quoi? Ok. Donc, lui, il manque. Carte et elle. Moi, mes codes sont quand même largement bons, pareil, moi, pour moi, là. Bon, lui, c'est l'élite 77, ok, mais quand même, il y a des bonnes options, pareil. Ouais, il y a quand même des options, quand même, pour rivaliser contre moi et contre l'autre joueur. Lui, il doit être dans les 99, je pense. Ah oui, c'est ça. Il y a de solides options. Oh là là, ça va pas évident, mais d'après moi, lui, en tout cas, il peut atteindre plus haut que 135 000. Fait que, genre, si je parviens à atteindre 130 000, il peut me battre pareil, le joueur, là. C'est sûr qu'il peut me rattraper avec ça, là. Si je dis que, en me rendant Luigi jusqu'au niveau 8, avec 430 de points de base, lui, que ça au niveau 7, avec un code niveau 6, à 400 points de base, puis niveau 7, là, c'est Origami Kabuto Cerisier. Je peux quand même faire encore faire mieux que ça. Moi, je peux aller me chercher 48 671 avec les aventures que je prévois faire. Fait qu'il y a encore, il y a encore pas mal de matchs, ce joueur-là. Ici, okay, aucune menace ici. Tout est beau. Je me demande si j'ai pas passé à aller chercher le Wiggler en or. Ça aurait été bien plus mieux d'utiliser celui-là que le Wiggler normal. Le gars, il est fou. Il a même pas été chercher. Il a même pas été chercher le Wiggler. Tu l'avais en promotion à 105 rubis. Seigneur, pourquoi t'es pas allé le chercher? T'es bien con. Ça aurait pu t'avantager pour cette semaine. Franchement. Ça c'est pas ce carton, c'était juste pour l'améliorer jusqu'à 400 points de base. C'est pour ça que j'ai commencé par là avec le remix Sylvanic 2 et ça. Puis aussi m'améliorer d'un niveau en même temps. C'est juste me rappeler c'est quel code que j'avais. Bon, on avait ça. Bon, ok, maintenant, allons voir mes adversaires. Comment ils s'appellent? Bon, dans le fond, on a comme trois Japonais. Hein? C'est drôle, hein? Tu sais, trois Japonais dans le top 3. Ça y est, c'est pas mal, ça. Hein? Donc, Walter White, on a un Japonais. Un Yoshikawa. Drakkonsul. Je sais pas. Marco, je sais pas. Ben, 12. JB. Roger. Wayne64. H.C. Oscar, Justin C. Lick Rieg. C'est ça. Mister G. 1233. Dizosian, ça c'est un bot. Puis ça, je pense que c'est un bot. Oui, c'est ça. Exactement. Mister. Lui, c'est quoi sa ligue la plus élevée? Lui, on voit qu'il y a un badge de niveau 80. De ligue 80. 81. Ok. Super, ça. 78. H.C. Oscar. 96. Bon, Roger. 80. 88. 81. Soixante-seize.
Ok, c'est bon. Donc, je vais juste aller revoir c'est quoi le code que j'avais. Ah oui, c'est ça, c'était un code de niveau 3, je ne me rappelais plus. Moi, je viserais pas le... J'entends pas vraiment de viser la première place. Moi l'important, ok, c'est d'aller chercher le roi Bobomb 1 en terminant dans le top 3. Il est encore accessible. La première place aussi, mais dans très peu de temps, il sera plus accessible pour moi. Avec qu'est-ce qui me reste, ben... Ben, j'aurais même si je fais des petites améliorations, ben, ça va juste, je vais progresser de quoi, peut-être 2000, 2000, pas plus que ça. J'améliorerai pas de beaucoup. Fait que je vais conserver ce qui va me rester à la fin. À la fin, il va me rester 3 tickets de capacité de pilote, 2 de kart. Puis pour les uns, il va m'en rester 0. Ah tiens, ils me font utiliser le nouveau kart que je viens d'obtenir. Ah, ça y est, il est vraiment minuscule. Ah, c'est pas vrai, elle a fait exprès, là. Elle a juste été sur son bion au bon moment. Yes. J'ai quand même pogné ma banane de Luigi Pingouin. Qu'est-ce que j'obtiens aujourd'hui dans mon défi journalier? Un 5 rubis. Bon, ok, ça va être tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons plus tard pour la suite des événements. Sur ce, bonne journée.